Le Launchpad X me donne la possibilité de faire tout un tas de choses dans Ableton Live, mais mon utilisation préférée est bien sûr de lancer des clips. Un bref commentaire à propos des pads. Ces derniers, pour ceux qui ont de la couleur, correspondent à ceux qui se trouvent édités dans la session Ableton Live. Pour les pads non éclairés, ils correspondent à des slots vides. Mais ce qui est cool, c'est qu'en appuyant sur un pad non éclairé, il me permet en réalité d'arrêter une piste. La rangée de boutons ici me permet de lancer une rangée entière au même moment, à savoir une scène en terminologie Ableton, ce qui me permet facilement de faire évoluer mon morceau.